Voilà, c'est live. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce J-Mois-Où du mercredi. Voilà, je vous laisse le temps de rentrer dans le salon tranquillement. Voilà, alors est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, hop. Vérifiez quand même que tout fonctionne pour vous. Je vois que ça rentre dans la salle. Super. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, on va se faire une bonne petite séance du bas du corps. On va remuscler tout ça, on va renforcer, tonifier. Donc aujourd'hui, ça va être une séance quand même assez cool, mais musculairement parlant, on va bien souffrir. J'espère que vous avez la patate, que vous êtes en forme et que la journée commence bien pour vous. On va commencez tranquillement. Là, dans même pas 3 minutes, on va commencer les échauffements. J'espère que votre programme se passe bien, que vous êtes satisfait de vos plans alimentaires, que vous n'hésitez pas à écrire à votre diététicienne. D'ailleurs, vous retrouvez votre diète quotidiennement à 13h pour répondre à toutes vos questions en direct sur la consultation. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. Voilà, ça y est, j'ai enfin les premiers retours. Vous allez pouvoir me dire si ça marche bien pour vous. Tout à fait. Il y a Dom qui dit il pleut ce matin, pas trop de motivation. Et après, je me sentirai nettement mieux. En effet, là pour l'instant, il paraît que sur certaines régions, il fait pas un temps de mai. Mais voilà, de faire un peu de sport, ça va vous donner la patate pour la journée. Ok, alors hop. Ok, il y a des oui. Donc c'est bon, c'est que vous me voyez, vous m'entendez bien. Super. Y a du monde, c'est génial. Ça continue d'arriver, vous êtes en forme, hein? Alors comment se passe ce déconfinement pour vous? Est-ce que vous êtes content de revenir presque à une réalité presque normale? Bon, allez, on va se donner un peu de patate pour perdre les petits kilos qu'on aurait pu prendre durant ce confinement. Les petits kilos qu'on aurait pu prendre en trop. Bon, maintenant que vous avez la possibilité de sortir un peu plus, qu'est-ce que vous allez faire en sport en premier? Est-ce que vous allez faire de la marche? Est-ce que vous allez courir? Est-ce que vous allez tenter du tennis? Il y a quoi en ce moment qui est très à la mode? Il y a tous les sports individuels, le golf aussi, il y en a pas mal qui s'y mettent. Mon avis, c'est le moment de s'inscrire à certaines activités, elles vont être très accessibles là. Le squash aussi, c'est pas mal. Les salles de sport, c'est pas encore pour maintenant, donc vous pouvez au moins vous acheter un petit kit d'haltères pour la maison. Ça vous permettrait de pouvoir vous équiper un petit peu. Bon, je blablate, hein, mais on a encore 1 minute 30 avant de commencer les échauffements, donc je prends un peu la température pour savoir à quel point vous êtes motivé à reprendre une activité sportive, à voilà, changez un peu de votre salon si vous avez possibilité de faire en extérieur. D'ailleurs, investissez aussi dans des élastiques si jamais ça vous intéresse. C'est intéressant d'avoir des élastiques pour faire des séances en extérieur. Si vous avez un parc à côté de la maison, vous pouvez vous faire votre musculation dans ce parc avec vos élastiques. C'est vraiment à la portée de tout le monde de faire du sport et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel. Hey, ça commence à avoir un peu de monde sur Instagram. Bonjour! Bonjour à vous tous. Bijou, Christine, Kat Bastia. Il y a du monde, super. Donc si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs sur Instagram, c'est sur le compte de la team Waouh. Là, vous voyez la séance depuis un autre angle et c'est assez sympa des fois de voir aussi les exercices, comment on peut les faire. Il y a pas mal de coulisses et de partage de conseils et de petites astuces. Super. Bon, alors ça a l'air de bien fonctionner. On va commencer les échauffements. Donc j'espère que vous avez une tenue de sport confortable, que vous avez des baskets d'intérieur pour de bons appuis. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis de sol. On va avoir des exercices debout et quelques exercices au sol qui peuvent également se pratiquer sur un lit. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel ou même sur le canapé. Si vous sentez d'humeur à le faire sur le canapé, c'est adapté. Alors, il y en a qui vont nous faire de la marche, de la danse.
Je lis que Clo-Clo dit que mon salon va être trop petit pour accueillir tout le monde. C'est vrai. Mais c'est bien, tout le monde, je vois que tout le monde va reprendre un peu la course, la marche, il faut. Ok, super. Allez, on est à 5 minutes. On va, ça y est, commencer nos échauffements. Allez, vous me suivez? Allez, donc, comme d'habitude, donc tenue de sport agréable où vous vous sentez bien dedans. Une petite brassière pour le bon maintien. Après, il n'y a pas de saut pour cette séance. Donc, pas besoin d'avoir forcément une bonne brassière. Allez, on va s'échauffer la nuque. Voilà, on fait deux demi-cercles. On dit non. Et on dit oui. Alors, on peut faire un tour complet pour réchauffer correctement cette nuque. Voilà, vous le faites suivant le ressenti pour ne pas vous retrouver coincé dans un exercice. Allez, on roule des mécaniques. On exagère le mouvement des épaules. Bon, on n'a pas besoin des épaules et du haut du corps pour cette séance, mais c'est quand même sympa d'avoir le corps complètement échauffé avant de commencer la journée. Allez, on roule des mécaniques vers l'arrière. On exagère exprès le mouvement. On pose les mains sur les épaules et on va faire des petits ronds vers l'avant. 4, 5. Et des petits ronds vers l'arrière. Voilà, on va s'attraper le coude, on va le réchauffer rapidement. On fait comme un petit puits, on passe en haut et en bas son bras. Pareil de l'autre côté. Voilà, on va s'échauffer nos poignets. On se les tournicote ensemble. Voilà, on réchauffe tout ça. On va très vite passer au bas du corps parce que c'est ça qu'on va le plus solliciter aujourd'hui. Allez, on désarticule notre corps. Vous savez, on envoie le haut du corps sur la droite et la jambe droite sur la gauche. Et après, on inverse. On souffle bien tout au long des étirements et des échauffements, pardon. Comme ça, on prépare un peu notre dos parce qu'on va faire pas mal de squats. Les squats, comme vous le savez, ce sont des exercices polyarticulaires. Donc, on va un peu solliciter notre sangle abdominale. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des effets par rapport à samedi avec les nombreux exercices que je vous ai proposés pour votre sangle abdominale? Est-ce que vous avez eu des douleurs? Est-ce que vous avez eu de simples courbatures ou rien senti du tout? Et si vous n'avez rien senti, ça veut dire qu'on va faire encore plus fort la prochaine fois. On va souffrir. Allez, on passe à quelques squats à vide. Donc, on va descendre dos droit, les pieds largeur de bassin, et on remonte. Le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. Doucement, on remonte. Encore un. Ok, on va faire quelques petits coups de pied, comme si on faisait une passe au football. Donc, on va faire ce petit mouvement. Vous voyez, on va passer la jambe devant l'autre en essayant d'aller sur le côté. Ça, c'est pour échauffer l'intérieur des jambes. Pareil de l'autre côté. Attention à ne pas donner un coup de pied dans le chien ou dans les meubles. Ok, on va choper nos genoux, on va les twister à droite, à gauche. On souffle bien donc durant tous les échauffements. Ok, et on termine. On va tournicoter nos chevilles. Hop, pareil de l'autre côté. Merci Bijou. Bah oui, là on entend Juliette qui parle à son papa. Je ne sais
sais pas si vous l'entendez sur l'appli Savoir Maigrir, mais sur Instagram, on entend très bien les bruits extérieurs. Et là, il y a Juju qui est dans une grande conversation avec son papa. Allez, on reste focus sur notre séance. Donc c'est bon, on a fini les échauffements. On va passer maintenant à nos exercices que j'ai oubliés sur ma table. Voilà. Donc, alors je vais voir quand même que tout va bien. Non, Anne, c'est pas trop rapide pour un échauffement parce que c'est surtout le bas du corps qu'on a besoin. Donc, il n'y a pas besoin de faire forcément plus que 4 minutes pour un bon échauffement. C'est pas du cardio, donc il n'y a pas besoin de faire 10 minutes de préparation au cœur. Là, ça va être seulement du renforcement musculaire. Donc, la plupart des exercices, il faut juste enclencher les articulations avant de faire juste quelques mouvements. Vous inquiétez pas, ça, il n'y a rien de dangereux. Après, si vous ressentez le besoin de vous échauffer plus longtemps, libre à vous de continuer. Voilà, si vous sentez que votre corps ne sera pas prêt, mais normalement, ça, moins de 5 minutes, ça suffit amplement pour pouvoir s'échauffer correctement. Pour faire de la musculation, pas pour faire une course, par exemple. Ok, allez. Bon, bah, je vois que ça papote sur le chat, hein. Si jamais vous avez des questions que j'ai pas eu le temps d'y répondre, vous n'hésitez pas à appeler notre téléphone. Sinon, je vous écrirai un mail en fin de consultation. Allez. Super. Ok, on va faire quelques squats. Donc, oui, exercice du bas du corps. Donc, forcément, il va y avoir des squats. Alors, squat qu'on peut faire à vide. Voilà, pour celles qui sont pas habituées à faire des squats souvent. On va faire la première série à vide et puis on va faire la deuxième avec des poids. Donc, allez, les squats. Donc, c'est cette position qu'on veut atteindre. On descend sur nos jambes. Notre genou ne dépasse pas l'avant du pied. Alors, on va en faire une vingtaine comme ça. Allez, 1, 2, les pieds largeur de bassin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors oui, si cet exercice vous paraît trop facile, vous pouvez déjà rajouter du poids dès maintenant. Allez, plus que 2, 1 et 20. Ok. Allez, c'est gentil, on commence doucement. On va enchaîner avec des squats sumo. Donc ça veut dire qu'on va mettre nos pieds une largeur et demie, la largeur du bassin. Hop, vous voyez, on écarte un peu plus. Je vais un peu vous tourner la caméra. J'ai l'impression de pas avoir assez de profondeur. Ok, alors voilà, on écarte un peu plus que la largeur du bassin et on descend bien sur nos jambes. On va en faire 20 comme ça. Donc, pareil, on peut se rajouter un peu de poids si jamais on est trop habitué, si on pratique déjà les squats depuis longtemps. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on va enchaîner ensuite avec les extensions de mollets. Donc, on va juste se mettre sur la pointe des pieds. L'extension de mollets, c'est aussi simple que ça. On met les pieds largeur de bassin et on va monter sur la pointe des pieds. Vous voyez, ça c'est pour travailler nos mollets en finesse. Donc là, on va en faire pareil une vingtaine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà pour les extensions.
On va enchaîner avec une petite chaise. Alors, ça, c'est pas un exercice qu'on aime beaucoup, en général, mais en gros, on va faire une chaise statique. En position squat, on va rester en appui sur nos cuisses. Alors, hop, on descend. Pas trop bas, on essaye de garder un dos droit. On n'appuie pas sur nos jambes, sur nos, voilà, les mains, elles sont devant, elles sont derrière la tête, elles sont sur les hanches, mais pas en appui, sur les cuisses. Et là, on va tenir une première 30 secondes, puis on verra si on tient jusqu'à 45. Je vous dirai. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous pouvez éventuellement vous appuyer contre un mur si jamais vous n'arrivez pas à tenir cette position sur vos deux jambes. Allez, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pour celles qui arrêtent ici, vous pouvez arrêter. On va aller jusqu'à 45 pour les autres. Allez, on a passé 5 secondes. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redresse. Voilà. Allez, on réveille un peu tout ça. OK. Allez, on va s'enchaîner quelques fentes. Les fentes au choix. Soit on se fait une petite marche en fente, soit on reste statique. Donc, si vous avez la place, vous faites une marche en fente. Voyez, vous descendez. Mais idéalement, ce serait de descendre le plus bas possible le genou, quitte à ce qu'il touche le sol. Donc là, dans ce cas-là, on va sortir le tapis pour éviter de se faire mal. Le tapis donnera un repère visuel. Donc moi, j'ai un tapis que je peux replier. Donc, on part d'ici et on va aller envoyer notre jambe. Je ferais mieux de le déplier complètement. Hop. OK. Pour retenir mon tapis qui va glisser, sinon on envoie la jambe, on touche, on revient et on change de jambe. OK, donc on va en faire en tout une 20. Allez, 1, 2, on alterne les jambes à chaque fois. 3, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. 4, 5, 6, 7, donc on souffle à la descente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. On va faire une petite pause d'eau et on va refaire ce circuit encore une fois juste après. Allez, personne n'est rouillé. On prend ses marques, on y arrive progressivement, puis on reprend les bonnes décisions. Je disais, personne n'est rouillé, comme dit Geneviève. Non, non, on reprend nos bonnes habitudes, on retrouve notre équilibre et on travaille musculairement vraiment notre zone basse. Alors, Odeline, des mouvements pour avoir des cuisses fines. Le problème, c'est que
En fait, chaque mouvement, ça va quand même travailler votre cuisse. Donc, ça va surtout faire perdre. Les mouvements pour faire perdre des jambes, ça va être de faire de la course à pied, ça va être de faire du vélo elliptique, de faire du vélo. Mais voilà, si le problème de faire du sport, c'est qu'on casse de la fibre musculaire, donc ce qui crée des courbatures, là, le muscle se reconstruit, donc devient plus fort. Et ce qui peut faire que la cuisse va se elle va se tonifier, on va éliminer les zones grasses. Par contre, travailler un muscle en finesse, c'est surtout au niveau des cuisses, c'est un peu compliqué. Vous allez retrouver des cuisses galbées, des cuisses toniques et non des cuisses fines et toutes molles. Voilà. OK. Bon, Chauffin qui a encore du mal à se connecter sur l'application, je vous invite à appeler le service technique. On va pouvoir vous aider ce matin. N'hésitez pas à nous appeler. Peut-être qu'on peut régler ça au niveau technique. OK. Allez, on reprend nos exercices depuis le début. C'est parti. On ne se repose pas trop parce qu'après, on va perdre notre rythme. Hop, allez. On va retourner sur le tapis et on va se faire les squats, hop, des squats simples. Allez, 1, 2, 3, 4. Ah, j'avais dit qu'on les faisait lestés, excusez-moi. Donc là, moi, je vais me prendre deux poids de 3 kilos pour ajouter un peu de poids. Vous pouvez prendre deux bouteilles d'eau, vous pouvez prendre un gros livre, vous faites suivant vos capacités. Pouvez prendre deux bouteilles, trois bouteilles, comme vous voulez. Un sac un peu plus lourd, voilà. Vous prenez un sac à dos, vous avez mis des bouquins dedans, vous voyez, vous faites vos poids vous-même. Allez, moi je prends deux poids de 3 kilos, comme je vous ai dit, et on va faire nos squats. Allez, 1. Vous voyez, on le pose contre la poitrine pour avoir un appui stable. 1, 2, 3. Alors moi ici, j'ai pris 6 kilos parce que je commence à avoir l'habitude. Commencez doucement, ne chargez pas trop. Vous allez voir que progressivement, vous pourrez rajouter du poids. Donc 6, 7, 8. On serre les fesses à la remontée. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, c'est exactement la même position de sécurité que tout à l'heure. On garde les jambes largeur de bassin. Là, on va se faire les squats sumo. Descendre un peu la caméra. Voilà, squat sumo. Donc les pieds largeur et demi du bassin. On garde nos haltères sur nous et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4. On peut continuer à vide aussi, hein, si on n'arrive pas du tout. 6, 7, 8, 9, 10, 11. On serre bien les fesses à la remontée. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, là on va se faire quelques extensions de mollets, on va en faire 20. Donc comme tout à l'heure, sur la pointe des pieds et on se lève, on se grandit. Allez, 1, sans poids par contre. 2, 3, 4, 5, ça c'est pour affiner la partie du mollet. Voilà, pour affiner nos mollets. 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on va enchaîner avec la chaise. Donc ça, vous pouvez rajouter du poids ou continuer à le faire à vide. Donc on part pour 45 secondes de chaise statique. Vous pouvez la faire contre un mur si vous n'arrivez pas à tenir l'équilibre. On essaie de descendre quand même les fesses assez bas. Vous voyez? Voilà. Et on garde un dos droit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on souffle tout au long, hein. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 pour celles qui restent ici. Allez, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Allez, 4, 3, 2, 1. Et bon, ouf! C'était pas mal celui-là, hein. Avec le poids en plus, ça rajoute bien. Allez, on peut un peu secouer notre jambe pour étirer le quadri et les ischios. Et on enchaîne ce dernier exercice de ce premier circuit par des fentes. Alors moi, je vais me rajouter du poids, mais vous pouvez le faire à vide. Allez, c'est le même exercice, donc le genou va toucher le sol. Vous voyez? 1. Je perds mon équilibre, d'accord. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez la faire une marche en fente. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, qui a dit parce qu'on faisait pas de cardio, c'était facile. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouf, allez, on pose ses haltères, on n'y touche plus. Ouf. Allez, vous pouvez boire un petit peu. Après, on va enchaîner avec les exercices au sol. Oui, pour ceux et celles qui ne se réveillent que maintenant, il était quand même que 8h du matin quand on a commencé, vous avez le replay dispo sur votre espace. Normalement, vous pouvez le retrouver sur les vidéos Facebook ou YouTube. Mais si vous êtes sur le programme, le plus simple, c'est d'aller dans vidéo. Et sur l'ordinateur, c'est sport à la maison. Et là, vous avez toutes les vidéos, suivant les catégories, suivant la zone du corps travaillée. Et sur l'application, vous l'avez sous la mention J-O. Oh, excusez-moi, j'arrive pas à retrouver mon souffle. Bon, pour Maryse qui demande, j'ai beaucoup maigri, mais j'ai gardé un petit ventre rond. Que puis-je faire pour en perdre? Beaucoup d'activité physique, c'est ce qui va vous aider à le perdre essentiellement, parce que j'ai l'impression que c'est plus localisé sur le ventre. Après, vous pouvez continuer à faire l'ensemble du corps. En fait, il faut travailler harmonieusement tout le corps pour essayer de perdre ce petit ventre. Hop.
Ok, allez, on va se prendre notre tapis de sol. Donc, pour celles qui préfèrent, vous pouvez également le faire sur un lit. Ok. Alors, est-ce que vous me voyez bien les deux plans? Ok. Ok, allez, on va se mettre au sol. Donc, voilà, on va s'appuyer comme ça. Donc, on va faire la jambe du dessous, on la replie légèrement. Et là, on va se faire 10 battements. Donc, pas besoin de monter très haut. On va juste s'arrêter ici. Parce que si on monte trop haut, on va se faire mal en bas du dos. Donc, on va faire 10 battements. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire pareil maintenant avec la jambe légèrement repliée. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va mettre la jambe vers l'avant et on va en faire pareil, 10 battements, jambe tendue vers l'avant, bon, pas tendue complètement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va terminer avec 10 coups de pied. Donc, on part d'ici et on va donner des coups de pied comme cela. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on se redresse et maintenant on va faire l'autre jambe. Je vais devoir bouger un peu mon tapis. Voilà, est-ce que je suis encore dans le cadre? C'est bon. Allez. Donc on plie la jambe du dessous, qui est la jambe que l'on vient de travailler. Et là, on fait 10 battements vers le haut. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, jambes repliées et on en fait 10 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, jambes tendues vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, 10 coups de pied. Donc, on part dans cette position pour arriver devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on va se remettre dans l'autre sens. Comme ça, on fait un deuxième circuit. Et on aura terminé, on enchaînera avec les étirements. Vous voyez comme quoi, il faut vraiment pas beaucoup de matériel pour bien s'entraîner. Là, on peut même se mettre sur le lit pour faire ce type d'exercice ou même sur le canapé. Je pense que c'est amplement faisable. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On replie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, les coups de pied maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on change de sens. Dernier
dernier petit circuit. On accélère si on va avoir le temps de faire nos étirements. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, pour jambes pliées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, jambes tendues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on finit par nos coups de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà, c'est pas mal hein, pour des exercices à la maison. Au moins, on a travaillé l'ensemble de la jambe, on a travaillé le quadri, les ischios derrière, l'adducteur, les jambes internes et externes de la jambe, les mollets. Donc là, vraiment, on a fait l'ensemble. Et avec les squats tout à l'heure, on a aussi fait nos abdos. Allez, on va aller s'étirer rapidement. Je vais vous montrer 2-3 mouvements. Donc déjà, un classique, c'est jambes tendues, aller atteindre la pointe des pieds, d'essayer de toucher la pointe des pieds. On attrape nos chevilles, déjà, c'est pas mal. Donc là, vous êtes censé sentir tirer derrière sur les ischios. Bon, je suis pas la personne la plus souple que vous allez rencontrer, donc j'irai pas plus loin. Là, je les pose un peu au sol, voyez, et on va aller peut-être descendre un poil plus bas. Et on sent l'intérieur ici qui va s'étirer. Alors, pour celles qui peuvent, on va se mettre en papillon, donc les semelles de pieds l'une contre l'autre, et on va descendre légèrement dessus pour sentir étirer ici, l'intérieur de la cuisse. On peut rester sur chaque exercice, on peut rester une dizaine de secondes. Et un classique, je vous montre toujours le même, mais parce que il est très efficace. On va aller s'allonger sur le dos, mettre notre jambe en quatre, donc la jambe opposée comme ceci, et on va tirer pour amener la jambe vers nous. Après, il y a énormément d'étirements pour le bas du corps. Là, j'en profite d'être sur le tapis pour vous montrer les principaux. On inverse. Voilà. Alors, je vais me redresser. Je vais vous montrer un petit étirement pour nos mollets qu'on a bien sollicité aujourd'hui. Alors, pour les mollets, on va aller se mettre en appui sur une surface verticale, remonter la pointe de pied. Vous voyez un peu la forme que prend mon pied, on le met en V et on va légèrement s'appuyer dessus. Vous devez sentir le mollet s'étirer. Et on fait pareil de l'autre côté. On peut en rajouter un, on peut aller s'étirer le quadri, donc classique. On va aller se ramener le pied derrière la fesse. Et là, on doit sentir s'étirer ici le quadri. Vous pouvez vous appuyer contre un mur, contre une chaise, contre un meuble. Pareil de l'autre côté. On s'attrape le pied et on remonte contre la fesse. Voilà! Ok, bon ben, ce fut un plaisir pour moi encore aujourd'hui de vous animer cette séance. J'espère que ça s'est bien passé. Je vais voir si je peux répondre à quelques questions. On a Ouria qui s'est trompée de smiley sur Facebook, qui nous a mis en colère. Mais je lis votre message, pardon, je me suis trompée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop dur?
Non, je pense que vous avez fait les exercices en même temps que nous et que vous êtes aussi en âge. Vous allez voir comme vous allez avoir des belles jambes après tout ça. Voilà, ici on a travaillé donc l'ensemble de la jambe, on a travaillé nos fesses, donc ces bonus, on a raffermi tout ça, on a tonifié. Vous allez avoir quelques petites courbatures dans les jours à venir pour celles qui les travaillaient pour la première fois. Donc n'hésitez pas à bien vous hydrater. Si vous aviez l'habitude déjà de consommer 1 litre 5 d'eau, montez jusqu'à 2 litres pour aider votre muscle à bien se réparer. Et laissez reposer au moins 48 heures. Ne refaites rien de fort dessus. Alors pas de course violente, pas de hit sur les jambes là, pour vaut mieux éviter, sinon ça va vous faire des plus grosses déchirures. Vous pouvez éventuellement faire de la marche, du vélo elliptique, du vélo tout court. Voilà, sans, si vous sentez une douleur, par contre, arrêtez complètement. Alors, et bien sûr, oui, faites la natation pour celles qui veulent. Si vous avez possibilité de nager, vous avez un accès à une piscine, régalez-vous. C'est vraiment un sport génial pour pouvoir brûler des calories tout en étant rafraîchi. Ça, il n'y a aucun doute. Ok. Ok à toutes celles qui vont nous retrouver donc en replay. Ah, les fentes, oui, c'est pas facile. Les fentes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur, mais voilà, vous allez prendre un peu plus de confiance en vous par la suite, un peu plus d'équilibre. Ça, en effet, on bosse bien l'équilibre quand on fait les fentes. Après, voilà, moi je vous mets un objectif de 20 répétitions à chaque fois, mais faites suivant le temps imparti. C'est-à-dire que si vous arrivez à en faire que 10, faites-en 10, mais correctement. Les faites pas mal. Faites le geste correctement. Déjà, ça sera beaucoup plus efficace que faire 20 à la va-vite très très mal. Super, je vois qu'il y avait pas mal de premiers cours, vous êtes assez content. On a Geneviève qui a mal partout, mais ça fait un bien fou. Je suis contente de vous lire. Oula, Marilène qui dit, j'ai une douleur à l'épaule suite à une chute. Que pensez-vous d'un chiropracteur? Ben, je pense que déjà, ça sera une sage décision que d'aller voir un spécialiste. Chiropracteur, déjà votre médecin généraliste, éventuellement, pour qu'il vous donne qu'il fasse une écho peut-être, ou et peut-être qu'il vous conseille un kiné. Voilà, mais oui, allez consulter un professionnel pour qu'il puisse vous dire ce qui ne va pas. Super. Bon, allez, tous à la douche maintenant, je pense qu'on a assez transpiré. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée, une belle semaine. On se retrouve avec plaisir samedi à 11h et samedi, on va travailler les biscottos, on va avoir des biscottos sexy. Attention. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à samedi. Salut à tous.